Eh bien, le bonjour à tous les amis, c'est Mario et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur Hearthstone et ce coup-ci, comme j'ai été un petit peu déçu, voilà, j'ai été un petit peu déçu, je n'ai pas obtenu ce que je voulais dans la nouvelle extension. Donc quand j'ai ouvert mes 20 paquets de cartes, c'était à peu près 20 ou 25, je ne sais plus, je n'avais pas eu satisfaction. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous ouvrir 30 paquets de plus, voilà, parce que c'est mon kiff, j'en avais envie, et objectif dans cette vidéo, ce sera d'obtenir au moins le roi Lich. Voilà, je vous le dis, dans cette vidéo, je voudrais avoir au moins le roi Lich. Et doré, ça c'est le bonus. Et après, si on obtient le roi Lich, eh bien, le reste, ce sera que du bonus. Donc c'est parti, on va y aller rapidement, hein, on ne va pas traîner. Allez, on commence déjà par une commune dorée. Ou c'était une rare dorée, je ne sais plus. Épique dorée, allez, c'est bien. Les dorés, ça fuse. Ah oui. Avant que je n'oublie, il faudra que je mette le texte avec le nombre de légendaires. Mais je l'afficherai uniquement lorsque j'aurai ma première légendaire. Comme ça, le texte nous porte pas la poisse. La bonne excuse. Bon. Allez, hop, 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 hop. Ok, rien de spécial, c'est pas grave. On continue. Ouais, bon. Allez, la suite. On ne perd pas de temps. Épique. Ouais, très bien, très bien. Ok, on continue. Allez. On attend notre première légendaire là. Ok, on a deux rares et une dorée. Une rare dorée. Bah c'est bien, les dorés, ça fuse. Mais il me faut légendaire. Commune dorée, allez, c'est bien. Ouais, très bien. Suivant. Allez, on a déjà ouvert presque 10 paquets. On n'a toujours pas eu de légendaire. Mais on a des dorés, hein. On a des dorés, ça c'est bien. Ouais, ok, c'est pas terrible. Hein. Franchement, là, on ne fait pas une bonne sortie. Pour l'instant, c'est très mauvais. Épique. C'est toujours pas ça. Hein. Bon. Encore une commune dorée. Décidément, les dorés, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il me faudrait peut-être une légendaire. Allez, encore une dorée. Magnifique. Ah, enfin une légendaire. Voilà, c'est ce qu'on attendait. Alors, la rare en temps de la Runeforge, très bien. Bon, donc, légendaire. Je vous prie de me donner le roi Lich. Pas spécialement en doré, mais après si vous me le donnez en doré, ça me va. Moi, je suis content. Mais si vous me donnez le roi Lich, je serai super content. Ah bah ce sera Rexxar le Nécrotracker. C'est très bien aussi. Alors. Donc oui, on a une légendaire, donc on va mettre le petit texte, hein, parce que sinon vous allez me dire, oh, t'as oublié de mettre le texte, comme quoi tu as eu une légendaire, mon pote. Mais oui, ne vous inquiétez pas. Donc hop, je vais mettre le petit texte. Attention, hop et hop. Voilà, j'ai mis le petit texte. Je vais même l'agrandir un petit peu. Oula, pas trop. Voilà, comme ça c'est bien. Bon, on continue. Donc là, il n'y avait qu'une rare. Bon. En tout cas, j'espère que je vais pas faire pire que la précédente. J'ai ouvert 20 paquets, j'ai eu deux légendaires. T'imagines si j'en ai qu'une dans les 30 paquets. Là, je serais vénère quand même. Alors. Ok. Ouais, bon. Alors, hop, 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 hop.
Oh non. Double rare. Bon, on arrive dans les 10 derniers paquets. Donc là, on va ralentir un petit peu, vraiment prendre le temps pour faire appel à la légendaire, tu vois, parce que quand on va trop vite, je sais pas. Quand on va trop vite, à mon avis, le jeu il se dit ouais non, ça sert à rien de lui donner une légendaire peut-être parce qu'il va trop vite. Bon. Là pour l'instant, c'est très mauvais. Il nous faut une deuxième légendaire au moins, sinon on s'est fait carotte les amis. Allez, de nouveau une dorée, décidément. Les dorées ça fuse. Ouais, non. Une seule rare. Allez! Il est où mon roi Lich là? Oh, j'ai le pingouin, attention, ça rigole plus là. Pop, hop, hop, non, une seule rare. Purée, j'espère que je me suis pas fait carotte. Hein. Je serais vénère. Alors. Double rare. Ouais, de nouveau, une seule rare. Voilà, c'est quoi ce paquet de merde? Ouais, une rare dorée. Allez, le dernier paquet. J'espère qu'il y a une légendaire. Hein. Hop, une épique. Allez, pas de légendaire. Purée, on a fait pire en 30 paquets avec une légendaire que la précédente fois. J'avais fait 20 paquets, j'en avais 2. Ah bon sang. Là, franchement, Blizzard, vous êtes pas sympa avec moi. Franchement, vous êtes pas sympa du tout. Bon, on va aller dans ma collection. On va enfin, désenchanter toutes les cartes en double. Voilà, nickel. Et donc, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a obtenu. Hein. Donc, alors, on va dans toutes les cartes. Non, 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 Trône de Glace, pardon. Trône de Glace. Ah oui, c'est vrai que ils prennent en compte. Enfin, ils ont dit qu'il y avait un petit souci, c'est que les nouvelles cartes de la nouvelle extension, à chaque fois, ça, quand on relançait le jeu, ça remettait en nouveau. Donc c'est un petit bug, mais pas très important quoi. Bon, voilà, hop. On a pas mal de dorés, d'ailleurs on va les désenchanter parce que moi ça m'intéresse pas de garder les cartes en doré. Hop, on va taper uniquement doré. Quoi, quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe mon pote, hein? Pourquoi tu veux pas? Qu'est-ce qui se passe? Je tape doré et tu veux pas? C'est quoi ça? Carte dorée uniquement, donc on va enlever Tistoile. Voilà. Alors, côté chasseur, piège frappe venin, hop, oui, je désenchante. Alors, ici, je n'ai rien. Là, hop, oui, tu pars. Voilà, ça m'intéresse pas. Fouet spirituel, hop, on désenchante aussi. Étreinte ténébreuse, hop, on échange, voilà. M'en fous. Je ne garde pas les dorés. Drain d'âme, hop, on désenchante. Pop-pop-pop-pom. Est-ce que j'ai encore des dorés ici? Oui, la fosse soyeuse futile. Voilà. L'enchaîné de Sornit, on désenchante aussi. Squelette malfaisant, on désenchante. Voilà. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, on va. Ah, bah, vous savez quoi? J'ai 1600 poussières. Donc, du coup, on va se fabriquer le roi Lich. Voilà, on va le crafter.
Voilà, parfait. Je n'ai pas eu le relige dans les paquets, mais je l'ai crafté, donc ça me va aussi. Bref, c'était donc la vidéo spéciale, on peut dire malchanceuse, hein, oui, voilà, on peut dire ça aussi. Mais au final, j'ai obtenu le relige d'une autre façon, mais voilà. On est arrivé à l'objectif. Donc, j'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager si vous le souhaitez. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mario Hero, je vous dis au revoir et à la prochaine. Salut!